quand il est sincère, le sourire qu'on nous affiche au salut. Au salut. On se sent comblé de meilleur pour toute la journée. Quand à l'oreille on nous chuchote tous nos défauts et qu'on crie très haut nos qualités. On a envie de s'améliorer, on a envie de se surpasser, on a envie de donner le meilleur de nous à ceux qui comptent sur nous. Même quand la vie, elle, ne nous laisse pas de répit et qu'on est sans cesse face aux défis qu'elle nous impose jour et nuit, on aimerait qu'on nous tienne la main et puis qu'on nous dise comment faire pour être au-dessus de tous ces soucis. On a envie de s'améliorer. Oui, voilà, nous sommes avec le PDG de CoPro, Tefsal, ouais. Avec les artistes Afro Melody, ouais. Fidèle et Makedine. Ici, voilà tout le paysage de Bansoa. Bansoa est un site touristique, le climat est plus beau. La nature l'air est plus. Vraiment bon sur la belle. Voilà, et si pendant ce temps on parlait un peu de culture. Ce que j'allais dire, ce que je devrais dire, c'est que Bansoa est un vivier culturel, de par son histoire. Et il appartient au tout premier arrondissement de la subdivision administrative du Cameroun à l'époque coloniale. Nous avons eu beaucoup de soubresauts avec la chefferie qui s'est brûlée à un moment donné. Et l'activité principale qui était la culture du café a fait que tout fils Bansoa, quelle que soit la fonction qu'il occupe, essaye toujours d'avoir une activité génératrice de revenus à côté. C'est pour ça que vous allez trouver des avocats qui se reconvertissent en banque à la fin, des magistrats qui sont à la fin de leur carrière, ils sont des commerçants ou des agriculteurs. Et de manière culturelle, on a appris à développer l'activité génératrice de revenus. Nous avons ici les jeunes talents. Les jeunes talents qui constituent, nous avons Afro Melody, le groupe Afro Melody, avec Marlo, le plus blanc de Bansoa. Parce qu'on est avec le président de CoProTef, on profite pour demander qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui invitent les artistes et qui ne leur accordent pas toute cette valeur, qui ne respectent pas les cachets ou alors qui disent qu'ils préfèrent payer les étrangers pour leurs événements et supplier nos frais. Est-ce que ça encourage vraiment nos jeunes artistes? Ce que j'allais dire, c'est déjà un réel problème. Pourquoi je voudrais m'illustrer avec le dernier événement de la dot que j'ai eu à la maison. Voilà. Beaucoup de personnes ont été très surpris de découvrir tout le talent que la jeunesse Bansoa a. Et je dis une chose, l'artiste aujourd'hui, avec la piraterie musicale, ne vit plus de la vente des CD, il vit des prestations scéniques. C'est-à-dire, il vit de ses spectacles. Et si c'est que nous autres, nous ne pouvons pas déguster ce que nous consommons, je ne pense pas que quelqu'un doit le faire. Nous connaissons mieux nos artistes que quiconque. Et en les dégustant, les personnes que nous avons invitées vont les découvrir et savoir que nous avons une crème des crèmes à partager avec le reste du monde. J'invite comme ça tous mes frères, Bansoa et tout le reste des Camerounais, à savoir qu'il y a tout un vivier d'artistes Bansoa qui sont prêts à proposer des mélodies, des belles mélodies et des très bonnes mélodies. Et qui vont faire, n'est-ce pas, qui vont égayer le temps, les événements de tout un chacun. Et les encourager, c'est, n'est-ce pas, respecter le cachet. Parce que c'est comme moi-même. Moi, je suis fils Bansoa, je travaille avec d'autres opérateurs Bansoa. Si quelqu'un vient pour une prestation, ou déjà, ce qui est certain, la facturation doit être considérée que c'est un frère. Si c'est qu'à la fin, il ne me paye pas. Il ne voudrait pas que je ferme et que je ne preste plus. C'est pareil. L'entreprise du musicien, c'est sa voix. L'artiste chanteur, c'est sa voix. C'est son entreprise à lui. Quand vous le faites utiliser cette voix et vous ne payez pas, ça veut dire d'aller voler. Ça, c'est clair. Merci.
vraiment merci pour ces détails. Merci.